bien, je suis arrivé à Vitebsk. Il était 7 heures et quelques. Je suis parti à 4h25 de Moguilev. Donc voilà, oui, j'ai encore voyagé un peu de nuit. Donc me voilà arrivé sur ma dernière ville-étape. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à tout ça, par rapport à ce road trip? Eh bien, Brest, super. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'était vraiment sympa. Alors après, il y a Gomel. Ah, Gomel, je vous le déconseille. Gomel, la ville n'est pas très jolie. L'ambiance n'est pas trop sympa. Les gens, à part ces demoiselles qui sont fort gentilles, les gens dans la rue vous aideront pas trop. Non, ils vont pas. Ils n'ont pas trop envie de discuter en anglais. Donc ça va être un peu compliqué. Bon, il y a quand même quelques personnes fort sympathiques. Mais dans l'ensemble, c'est un peu compliqué pour discuter anglais. Ensuite, Moguilev, eh bien, franchement, la ville est sympa. Bah, vous verrez. Vous allez voir parce que vous aurez une belle vidéo aussi sur Moguilev, là, sur le centre-ville. Et puis là, Vitebsk. Déjà, franchement, sympa. Sympa, je suis arrivé, eh bien, par la gare, hein, bien sûr, en train. Et j'ai marché à peu près 15 minutes. Parce qu'il fait beau, parce qu'il neige pas, il fait frais. Il fait très frais. Il fait froid même. Mais autrement, la balade était sympa. J'ai passé un pont, j'ai passé des vieilles maisons, des choses vraiment jolies. Franchement, c'est très sympa. Je vous conseille d'ailleurs Vitebsk. Ça sera bizarrement la première ville que j'ai voyagé, du moins j'ai visité. Eh bien, c'était Brest et j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que je vais également beaucoup apprécier Vitebsk parce que c'est fort joli également. J'ai vu quelques monuments. Vous en voyez un juste derrière moi. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Alors, Gomel, c'est la ville où je vous déconseille. Les jeunes femmes sont fort sympathiques, mais la ville est pas très jolie et la police pas très sympa. Donc voilà. Je tiens à remercier également, eh bien, le staff de Femmes d'Ukraine. Nos deux Thierry de Lyon, qui m'a aidé par rapport au forum, qui a été administrateur pendant tout le forum, qui est administrateur, mais là, il s'en est vraiment occupé. Il s'est occupé, c'était que lui qui s'est occupé du forum. Donc, je remercie aussi Thierry de Belgique, parce qu'il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a guidé par rapport au restaurant. C'est lui qui m'a trouvé tous mes restaurants, où j'ai très bien mangé d'ailleurs. C'était très bon. Et puis également Marc qui m'a conseillé quand j'avais besoin de conseils, donc il a été là. Et Hervé qui a posté toutes mes photos sur le forum. Donc je remercie ces quatre messieurs de leur présence pendant tout le road trip ou train trip, comme vous voulez. Voilà messieurs, donc vous allez encore avoir une ou peut-être deux, non plus une. Je sais pas, on verra. Ça sera la surprise. Je vais voir sur Vitebsk. Parce que c'est vrai que la ville a l'air pas mal non plus. J'ai un square aussi à filmer. Donc vous verrez. Vous aurez la surprise dans quelques semaines. Voilà, parce qu'il y aura ces vidéos vont paraître tous les dimanches. Voilà, messieurs. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt.